Eh bien, je me présente, je m'appelle Axel de Pertuis, je suis un des nouveaux chapelains au sanctuaire de Montlignon. J'ai été ordonné prêtre il y a 3 mois, donc je suis un tout jeune prêtre. Et l'année dernière, j'étais diacre à Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. Donc c'est un climat un peu différent, mais je suis très heureux d'arriver dans le Perche à Montlignon. Alors, quelles sont mes missions? Eh bien, je découvre encore quelles seront mes missions, mais principalement, il s'agira d'animer la liturgie, de confesser, de célébrer la messe, d'accueillir des pèlerins, de pouvoir les écouter, et aussi d'aider à organiser les différentes sessions et différents pèlerinages aussi. Alors, comment m'est venue la question de la vocation? Ça a mis du temps à germer. Alors, j'ai été confirmé pendant mes études à 19 ans, et après, en école, je me suis posé la question de ce que je ferais plus tard. J'avais du mal à voir ce qui m'intéresserait vraiment. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un désir dans mon cœur de me consacrer au Seigneur, de donner ma vie à Jésus. Et ce désir a grandi, notamment dans la prière que j'ai pu apprendre grâce à différents mouvements d'église. Et voilà, j'ai continué de sentir ce désir. Et en dernière année d'école, je me suis vraiment décidé. Et c'était une très grande joie pour moi d'entrer au séminaire. Donc je suis très heureux d'arriver ici à Montlignon, dans ce sanctuaire où nous prions tout particulièrement pour les âmes du purgatoire. Et je me réjouis à l'idée de pouvoir bientôt accueillir tous les pèlerins, notamment lors des pèlerinages du ciel,